Hello les amis, voilà, on se retrouve sur un nouvel épisode de Resident Evil Village. Donc moi je dirais de continuer notre aventure. Là on était arrivé au moment où on va se battre avec le boss numéro 3. Donc moi je Non, dirais de partir là. tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a des spasmes lui. T'as des spasmes mec? Il a des spasmes, tout simplement. Qu'il est laid, je te jure. C'est pas possible. Si j'arrive à vider cette eau. Merde, y a pas de courant. Ah, ça pouvait pas être autrement, hein, mec. Ah. Instruction pour l'utilisation des vannes. Lorsque les fortes pluies menacent les zones de pêche, il est conseillé d'évacuer le trop-plein d'eau en suivant les étapes ci-dessous, pardon. 1. Actionner le moulin avant à l'aide d'une manivelle pour avoir du courant dans le poste de garde. Tirez le levier pour ouvrir les vannes. Non, là. Alors le moulin, il est là. Ah ok. Mais ça va être le bordel à faire ça. Et il est où le moulin? Il y a plusieurs moulins. Mais ouais, donne. Ici, on en a besoin. Par contre, en armement, il donne presque plus rien. On est de moins en moins bon en armement. Cette manivelle est dans un sale état. Quand je l'utilise, j'ai toujours peur qu'elle me reste dans les mains. Il ne faudrait pas que ça arrive, parce que la seule qui nous reste est au niveau du deuxième moulin. Deuxième moulin. Premier. Deuxième, il est par là. Oh, mais il est loin. Oh, shit, man. Un diamant. Les framerates, hein, je vous jure, sur PlayStation 5, les framerates, ils sont à chier, quoi. Je suis désolé, mais... C'est celle-ci, la manivelle, en fait. Ah, attends, j'entends un bruit bizarre. Il est où? Ah, mais il est là. Donc, montre-moi ce qu'il y a ici. Pourquoi tu descends? Pourquoi tu descends? Merci. Je regardais seulement. Interagir. Putain, j'y crois pas. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Oh, casse les balles. Le truc qui s'est cassé, j'allais chercher la manivelle sur le moulin là en fait. Il y a un troisième là-bas. Ouh, ça va être long. Ça va être l'épisode moulin, ça, vous allez voir. Épisode moulin avant. Du coup. Continue par ici, mais je sens que l'autre va me chasser la balle. Là, je peux pas y aller, là non plus, donc c'est par ici. Cours! Il marche tranquille, le mec. Fuck! Fuck! Non mais si tu cours pas... Non... Pff.
suis deg. Je suis vraiment deg, quoi. Maintenant, tu vas arriver. Allez, vas-y, viens. Si je tombe dans l'eau, je suis mort. Ok, j'ai compris. Oh shit. Donc on va péter ça, on va passer direct comme on l'a fait tantôt. On passe direct, on passe direct. Oui, ça j'ai compris, mec. Pêche-toi, allez! Ouh! Mais ça fait quoi? Je te mets par où? Pourquoi il tombe pas le truc? Mais il tombe pas. Allez, c'est quoi ce bins encore? Il était pas censé tomber le truc. Oh, tu m'as cassé les balles là, toi, mec. Il faut qu'il fonce dedans, peut-être. Ouais. Viens ici, viens ici. Attendez, ok, j'ai vu. Il arrive par où? Il m'a fait peur, bâtard. Ah, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ok. Voilà, ok. C'est bon, j'ai trouvé. Oh. Allez, attaque-moi, espèce d'andouille. Et où ça va, hein? Ce qui va arriver par ici. Ah va fa. Va aller, va ailleurs. Hein. Vas-y. Oui. Faut du rond dans la piste. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse! Oh, mais c'est compliqué ce bordel ici, hein? Oh, ça va! Je casse les balles là, lui. Merde, je fais comment? Ah! Y'a pas que là que ça chlingue, hein, mec, donc excuse-moi, mais...
Niche ton pépette. T'as pas que ça à faire. Pas besoin de se dégoûter. Ok, je fais comment remonter? Et je foirais. Ah, ok. Ça va. Ah, quel bordel! Ah, ok. Oh là là! Les bleus. Les jaunes. Les bleus. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Gars, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est de ça? Mission Magnum. Ouh. Ah, elle va tomber en fait, la chose. Est-ce qu'elle va lâcher? Donc il faut que je me dépêche en fait. Est-ce que ça tient? Ça tombe pas en fait la blanche. Ouais, ouais, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Voilà. Donc, blanche, bleu. Dans la bleue, t'as la jaune. Ah non, merde. Allez. Pêche-toi. Non! Yeah, c'est compliqué cet enroule. C'est... Oh, que c'est compliqué. Oh là 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 là. Pêche-toi. Faire tomber la bleue. Donc la jaune, elle va se lever là. Faut que je sois rapide en fait. Dépêche-toi. Cours. Dépêche-toi. Wow! C'est pas possible, il est énervé lui. Je suis frayeur. C'est chaud les amis, hein. C'est chauderie. Il va réapparaître là. Théo. Mais s'il me tue. Tout juste. Oh, cette musique, elle me stresse. Oh, tu vas arrêter de se casser les balles, toi. Me stresse. Par où? Ok. Bon, maintenant j'ai la... Oh! Bon, maintenant j'ai la... Oh!
Passe, passe. Ah merde. Je suis obligé à passer par là. Allez, coup de fusil. Allez, on monte. On montage, les amis, on montage. Allez, va se casser chez les balles. Allez. Bonne pêche, on dirait. Faut pas que j'arrête là. Wow. Oh, c'est bon, hein. Ah. Mais c'est pas possible, ce bordel. Oh, purée, 16 minutes de pur bordel. Quel stress immonde. Mais qu'est-ce que je kiffe ce jeu. Oh. Oh, ça va, hein. Hey, faut que tu te calmes, mec. Impossible de monter. Je fais comment? Tourne, tourne, tourne. Ok. Bon. On va par où ici? Il est énervé, hein. Goodbye. C'est goodbye demain soir. C'est goodbye de la soirée. Oh purée. Quelle chauderie. Il va se passer quoi maintenant? Est-ce que j'ai réussi? Ok. Le courant est revenu. Vas-y, on va activer la l'enroule. Enroulage. Activage d'enroulage. On dirait un zombie, l'autre. Merde. Pourquoi là il est pas... il devient pas blanc. Ah attendez, ok. Orange. Bleu. Bleu. Orange. Là c'est blanc. Là c'est bleu. Non, là c'est orange. Et là c'est bleu. Ok, voilà. Bon. Vas-y. Je casse balle, on y va. Goodbye my lover. Goodbye my friends.
Super. Et trouver la sortie. Ah, ok. Oh, purée. Ouais, mais tu peux rester là, mec. Il est où? Mais la sortie, mais elle est où la sortie? Ah, je vais me l'avoir devant. Je vais l'avoir devant ma gueule. On voit quoi ici? Ah, il n'y a plus d'eau, ok. Maintenant, tout le bordel ici, il est... est libre. Alors, 1er octobre, il fait beau. Mère Miranda m'a apporté 5 villageois comme je lui avais demandé. Je les ai endormis avec un liquide et puis je leur ai mis le cadou dans le ventre. J'ai hâte de voir le cadou grandir dans leur bide. 2 octobre, il y a des nuages. 4 des villageois sont morts ce matin. Il y en a un qui est presque devenu un lican. Alors je l'ai envoyé à mon labo dans la montagne. J'ai encore raté, maman. Elle veut des enveloppes plus fortes. Mais moi, j'en trouve aucune. Il me faut plus de villageois. Plus de villageois. Sorry for my French, man. Attendez. Est-ce que ça je peux... Un truc que j'ai trouvé là. Voilà. Ça. Modifier arme. Par où dois-je ? Edwige ? Ouh. Ah, ça ne promet rien de bon tout ça. Tous ces objets trouvés. Ça sent la guerre des étoiles. Ça sent le boss à plein. Non! Ah! Je dois faire. Comment je dois le tuer? Fuck! Mais 4, ça les passe, hein! Il fait quoi? On s'en fout! Voilà! Non, 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 pas d'acide. Il va vomir, il va vomir. Oh, tu vomis? Non! Oh.
Qu'est-ce qu'il est chiant! Il est où? Oh, je l'ai tué! Oh, bordel! Elle va exploser! Oh, shit, man! Il aurait été dégueulasse. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il est dégueulasse. Bordel! Ouh, tout ce que j'ai. On prend tout ce qu'il y a à prendre, les amis, maintenant, c'est bon. On est tranquille. Oh là 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 là. Il m'aura vidé toutes mes grenades. Okay, normalement, c'était... Je pense que c'était plus facile que je tape dans... Dans les trucs là, en fait. Comme ça, au moins... J'aurais épargné quelques balles, mais bon, c'est pas grave. Dois-je aller par où maintenant? Que cette mortadelle est morte. Ah, je suis content. Ouh. La sortie est un peu plus loin. Ça, j'avais compris, mec. Bon. Comme d'habitude, je vous jure, franchement, je pensais que les boss, ils étaient plus durs que ça. Hein. Ils sont moins compliqués, les boss, que ce que je pensais. Mère Miranda m'a donné un bocal de roses. Comme tout le monde est méchant avec moi, je pensais qu'on me laisserait de côté. Mais Heisenberg a dit qu'on devait être tous là, pour que la cérémonie ait lieu, et que c'était pour ça qu'on avait tous un bout de rose. Maman avait l'air de s'en ficher, par contre. Maman a dit que Rose était une enveloppe. Avec une enveloppe, elle va pouvoir récupérer sa vraie fille, même si elle est morte depuis longtemps. Mais si elle y arrive, qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je ne suis pas son vrai enfant. Est-ce qu'elle va m'abandonner? Non, je veux pas. Non. Bon, je vais pas tout dire. C'était non, tout simplement. Ah. Voilà, maintenant on a la clé complète, je pense. Oh, une vidéo. Je t'ai peut-être sous-estimé. Heisenberg. C'est qui? Oh, arrête. On s'est vu tout à l'heure. Enfin, Heisenberg. Ouais, t'es le dernier enfoiré sur ma route, c'est ça? Tu es tenace, je dois l'admettre, Ethan. Mais que feras-tu une fois que tu auras les quatre bocaux? Qu'est-ce que j'en sais, tu vas venir? Je pourrais te donner un coup de main. T'essaies de m'amadouer? On ne fait pas trop le malin. Je te tuerais si tu n'en valais pas la peine. Il y a une forteresse pas très loin du village. Je sais où tu Vas-y, es, bonne... et prends mon bocal. Fais ça, et tu auras mon respect. D'abord, retourne au cimetière. Ouais, pauvre connard. C'est bizarre, cette histoire. Pourquoi il veut que j'aille là? Là où tout a commencé. Niveau maudit, va. Qu'est-ce que c'était, ce niveau infect? Bordel de neige. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde caliente. On peut se barrer, hein. Oh shit, man. It's a goody good days. Oh yes. Les amis, je suis en train de kiffer, mais vraiment d'une manière pas possible. Je savais que j'allais kiffer ce jeu, mais pas à ce point-là, franchement. Et j'ai que des bons retours, hein. Plus ou moins, j'ai
dont mes amis sur YouTube et mes amis que je côtoie tous les jours aussi, ils sont tous en train de kiffer Village. Hein. Franchement, c'est un jeu qui va cartonner, j'en suis sûr. Et je vous le conseille, franchement. Surtout quand on pénurie de jeux, c'est vraiment quelque chose qui vient de nous faire très plaisir. C'est quoi ça? Ascenseur vers le lac. Alors maintenant, on peut ouvrir la porte ici. Avec ça. On peut même baisser le pont où est-ce qu'il y avait Dimitrescu. Le château de Dimitrescu. Pour voir si on peut y retourner. Bon, c'est bon. Il y a purée. C'est quoi comme porte? C'est quoi ça encore? Labyrinthe. Mais je trouve pas de labyrinthe. Bon. On ira voir après. Hein. On est où ici? Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Non! Oh! Je cassais pas les balles. Mais les zombies à tout ici aujourd'hui. Merde! Oh, fils de... Fuck! Oh, j'ai plus de place! Voilà. Est-ce qu'il y a moyen maintenant de prendre ça? Voilà, c'est bon. Ouh! Je casse les balles, mais en plus je les vois pas! Ils sont où? Ah, ils sont là. Voilà, je vous vois. Ça l'a pris. Ah, va. Putain, ils sont plus coriaces que au début, hein, ces trucs-là. Bon. Ah. Ok. Ici, il n'y a plus rien. Donc, je peux aller par là-bas. Est-ce qu'il y a encore une maison à prendre ici? À prendre. À visiter. J'ai visité la maison, là. Ben non, parce que je suis venu tellement en courant que j'ai eu peur, quoi. Ah! Ah! Fuck! Ah! J'ai plus d'énergie! J'ai plus d'énergie, merde! Mais il y a de tout ici! On a droit à tous les boss en fait.
Mère Miranda m'a donné une montagne. Wow, purée. Maintenant, je veux faire des tas et des tas d'expériences avec les cadous. C'est mon laboratoire secret, rien qu'à moi. J'ai fait 3 expériences avec le cadou aujourd'hui. Mais le résultat a été catastrophique. J'ai introduit le cadou dans un cobaye et après, je lui ai injecté du sang de loup dans la colonne vertébrale avec une aiguille. Il s'est alors mis à gigoter dans tous les sens et a tué mon assistant. J'ai pas pu le retenir, alors je l'ai mis en cage. Maintenant, il faut que je lui donne à manger. Ah! Merde, attends. Moi j'ai envie de monter là pour voir ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas en fait ici là. Parce que moi je viens de là mais ici j'ai pas été. J'ai envie de voir ce qu'il y a là. Je pense qu'il m'a pas vu. Il m'a pas vu, ça va. Reste où tu es. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance, je peux me barrer sans qu'il me casse les balles. Ouais. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Bon. Là, c'est fait. Donc, je dois descendre maintenant tout ici. Je dois tout redescendre et aller par là. Pour retourner au village. Ça va être chaud. Je vais essayer de l'affronter. Il est où? Fuck! Non! Attends, J'ai compris. Non! Ah! Oh shit! Ok, bah... Ça va. Ça fut un plaisir. Cette arme, je l'adore. Le Magnum, c'est, pour moi, c'est la meilleure arme qu'il y a dans... Dans Resident Evil. Ouh, ça, j'avais pas vu là-bas. Attends, on va aller voir ça tout de suite. Il y va comment? Il y va comment par là? Il y a un passage... Resident Evil. Et ça c'était... C'était... Minga, je retourne en arrière. C'est par ici, je pense. C'était où ici? Ouais.
Yes, ma'am. Bon. Allez, c'est parti. Oh, ça va, on se calme, on se calme. Je ne vois rien. Oh bordel, je vois rien. Voilà. Wow. It's good goodies. Bon, maintenant on peut se barrer, hein. On peut se barrer. Quoi qu'il est quelle heure là. 48. Quelle heure. Bon les amis, moi je dirais d'arrêter cet épisode ici, j'espère que vous avez aimé, donc mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne, activez la cloche pour recevoir ma dernière vidéo, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi les amis, on s'approche, je vais pas dire de la fin, mais presque, donc mon ressenti jusque maintenant c'est que le jeu est vraiment génial, et j'ai envie de voir la fin pour voir c'est quoi la vraie histoire de Ethan et toute sa famille quoi. Donc voilà, un grand merci pour tout, et à très bientôt les amis, ciao ciao.